Nous voyons maintenant le premier groupe de quatre mesures à deux mains. Donc je vous le montre d'abord sans métronome. Et avec le métronome. Alors, 1, 2, 3. Ah, je recommence. 1, 2, 3. Voilà, n'hésitez pas, comme je dis, à la répéter. Il faut que vous connaissiez bien ces quatre premières mesures avant de passer aux quatre suivantes.